Obim, qu'est-ce qui ne va pas? S'il te plaît, je ne suis pas d'humeur à n'importe quel bavardage. Je veux que ma tête se repose. Qui a pu t'énerver au point où tu ne veux même pas parler à moi, ton épouse? Nem. Nem. Je t'écoute. Aujourd'hui, avec ses mains, j'aurais dû tuer même quelqu'un. Kadji ne plaise. Pourquoi? Nem. Comment est-ce que j'ai pu passer toute une journée dehors, en train de travailler, juste pour que ce paras ne mange pas avec mon argent? Comment allons-nous manger? Comment allons-nous payer nos factures? Dis-moi un peu, dis-moi! T'inquiète, mon mari. Dieu a déjà répondu à notre prière. Et il a fait de la manière dont on n'attendait pas. Qu'est-ce que tu veux dire? S'il te plaît, je ne suis pas d'humeur à parler de ce genre de choses. Je veux juste me reposer. Sans problème. Je sais que tu dois être très fatigué. Je vais rapidement t'apporter quelque chose à manger. Hmm? On aura beaucoup à en parler dès que tu te seras reposé. Hmm? Oh! Tu es très bon. Ah! Obim, je sais que tu as aimé le repas. Hey, ça, c'est peu dire, non? Je ne me souviens plus quand est-ce que j'ai mangé un tel bon plat pour la toute dernière fois. Je suis sûr que tu as dû faire de très bonnes ventes aujourd'hui au marché. Je suis contente que tu aies aimé le repas. Laisse que je débarrasse vite. Dès que je reviens, nous allons en parler. J'espère que tu as gardé un peu dans la marmite. Pourquoi pas? Ah, Dieu merci. Obim, tu sais que nous sommes mariés à cela 18 ans. Et pendant tout ce temps, je ne t'ai jamais donné raison de t'inquiéter par rapport à mon attitude, mon jugement. Les paroles de nos feux parents et l'étude de la Sainte Bible ont toujours eu le contrôle sur notre vie. Ça, c'est vrai. Continue, je t'écoute. Merci, Obim. Tu vois, nous vivions dans l'extrême pauvreté à cela plusieurs années. Et je suis très heureuse de te dire que Dieu s'est souvenu de nous. Il a tourné son attention vers nous. Notre temps est arrivé. Qu'est-ce que tu veux dire? Arrête de tourner autour du pot et va droit au but, s'il te plaît. Dieu nous a ouvert les portes au travers de notre fille Stella. Stella? Voilà que je me rappelle. Elle est où? J'espère que tu n'es pas allé derrière moi lui trouver un mari. Pas du tout. Loin de cela. Ok, chérie. C'est vrai que notre fille est responsable du délicieux repas que tu viens de terminer et d'autres bonnes choses qui arriveront bientôt par la grâce de Dieu. Ah, va droit au but. Dis-moi, qu'est-ce que tu essaies de dire? Je suis heureuse de t'annoncer que notre fille a eu le travail dans une très grande entreprise et elle gagne plus de 20 000 naira par mois. Stella, es-tu sûre de ce que tu dis? Honnêtement, pourquoi vais-je te mentir? Hey. Elle est maintenant la lumière de la famille. J'ai le plaisir, en tant que mère et ton épouse, de te l'annoncer. Tu devrais être content. Hey! Pourquoi est-ce que je ne serais pas heureux? Oh, Bassi. Oh, Bassi, Gariwenda. Hey! Oh, Garouba. Agiriba, Jehovah. Hey, Agiriba. Oh, Agiriba, waouh. Toka tine kani. Agiriba.